Et c'était le premier rendez-vous. Je suis désolé, j'en avoir deux comme ça. C'était le premier que j'avais prévu. Non, c'était un autre truc, mais il devait m'appeler dans la matinée, lui. Il m'avait pas donné d'heure. C'était pour un bien immobilier dont je vais me séparer. Mais coucou Elvolir. Et là, le deuxième, j'attends je vais attendre ça. Voilà. Attendez, tac. Faudra que j'envoie un mail. Ok. Et ça va Elvolir. Merci d'avoir attendu. Et on va pas en reprendre. Ok, alors retrouvez Catalina, Sforza, McAvely et les autres dans la ville là. Ok, ah, il va baiser lui. Il va baiser le coquin. Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de dieux, de sanctuaires et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Je suis assez d'accord, ceci. L'erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Pourquoi il a pas voulu le tuer? Ensemble, c'est un peu débile. Nous devons discuter de l'avenir. Non, il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio. Je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavelli changera d'avis. T'as un Templier, on fume les Templiers, fin l'histoire. Ah putain. Ce petit bruit. Alors, attendez, c'est par où? Je comprends pas. Vision d'aigle peut-être? Non. Ah, peut-être à l'étage. Peut-être à l'étage. Peut-être à l'étage, effectivement, tout bêtement. Oui, bingo. Je vois plus rien du tout. Vous me voyez plus, je vois plus rien. C'est pas bon. C'est mieux. On est bon. Ah, le petit bain. Tiens, j'en prends la tête bien après le live. Toujours bien un petit bain. Ah, ça, j'ai pas la maison par contre. J'ai Bibou. Jolie lingerie pour l'époque. Coucou, Serdi. Il aura quand même fallu 20 ans pour venger sa famille et tout, hein. C'est long quand même. Hein. La dernière scène était un peu ridicule. Et si on recommençait? Avec son shorty sur le mec, c'est compliqué quand même. Il suffit de demander. Il y a des choses qui s'écartent, un shorty, ça s'est pas passé, on peut pas l'écarter. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. C'est compliqué, ok. Ah! Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Pas le temps de prendre l'armure ? Ah bon ? Ce sont les Borgias. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi. Utilise des canons en haut. Oh, le village se fait éclater. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Tu l'as prise? La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgias de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué.
Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Il va mourir. Toi aussi. Mario, il est mort. Je call, Mario, il va claquer. Oh, ce saut! T'as tellement plus de couilles si tu fais un saut pareil. Moins 53 000. Ah, y'a plus rien là. Plus de points de vie, plus d'armure, plus rien. Perdu épée d'Altaïr. Ah ouais, j'avais le... En fait, j'avais le meilleur stuff possible et c'était le stuff que j'avais avant. Ah, il est pas encore mort. Moi, je call qu'il y a moyen. Putain, je me rends du coup. Putain, j'en ai perdu des trucs, hein. Le poney. Oh, c'est un poney. Mais ça fait du steak. Au moins, les habitants ont à bouffer comme ça. On va juste monter, là si. Non, mais là, on s'est éclaté complet, là. Utiliser le canon. Hein. Ah, mais ils sont 15 fois plus nombreux, là. Ah, les fortifications. Ils sont combien, là, en face? Détruisez les canons, signore! Aïe 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 aïe. Ah, y'a les tours de siège et tout là. Mais ils sont des milliers! Ils sont des milliers en face, bordel! Ah ouais, les Borgia contre les auditorés, spoiler alert, les auditorés perdent. Hein. Combien les canons? Sauvez-nous, je vous en prie. Bah, tu vas t'accroquer qu'avec un boulet, avec un canon, j'allais tout faire, toi. On peut rien faire pour la tourelle, là. On ne va pas tenir. Je tourne le monde. Oui, alors. Sinon, elle s'arrête d'avancer, le bordel. Quand même, putain. Rechargez le canon! Ouais, non, mais là, nous on est quoi? On est 10? Y a 10 000 hommes en colère qui nous attaquent là! Les fortifications elles sont pas en forme hein! Oui, bah écoute, hein, les habitants, ils vont finir en kebab, hein, tant pis pour eux. Hein. 45 sur 500. Pas en forme la ville. Les habitants est de l'autre côté des murs. Putain, j'ai raté la première vraie quête du jeu, quoi. Quel enfer. Salut Furious, il serait... furieux. Utiliser le canon. Ouais. Aïe 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 aïe. Salut Jonah, bonsoir, bonjour à ceux qui arrivent. Il faut les retenir pour permettre aux villageois d'épuiser les canons. Ah oui, d'accord en fait. Ok, on s'en bat les couilles des tours, on va péter tous les canons là. On va essayer de faire deux par deux les canons. Pendant 45 minutes, toi, t'as pas réussi cette mission, Ariel. Ah, attends, elle est pas évidente. Mais je pense que j'aurais pas dû focus la tour. Ouais, je peux péter un câble en rien. 45 minutes, moi, je pète un câble. Hein. Ah, la félacité, elle se fait en culax, hein, les gars. Sauvez-nous, je vous en prie. Mais non. Ah, si tu rates un tir, je pense que t'es dans la merde de ouf. Essayez de bien viser, on ne résistera pas longtemps à leurs attaques. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Oui, c'est ça. Ah, le believe, là. Le believe. Allez, 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 allez. Tourne.
Eh ben je sais, écoute hein. Allez, je m'appelle. Allez. Mais on s'en fout des murs, il faut juste que sauver les 45 derniers connards. C'est pas mal là, ouais. Je pense que c'est faisable là. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. Où est-ce qu'il y en a d'autres là? Oh là 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 là. Oh big. Ah je vais encore perdre. Il en manque 25. Une tortue à la main. Les habitants et de l'autre côté des murs. Quel enfer. Il y a le 2 Brotherhood des révélations. Alléluia. Quel enfer, putain, la quête du démon quoi. En fait faut que je rate aucun tir. A chaque fois faut que j'en tue 2 par tir et faut que je rate aucun tir. Là je les avais pas tous tués à gauche. Non mais attends, mais je commence les fortifications. La vie elle est déjà à moitié enculée là. C'est pas... que merci. Il faut les retenir pour permettre aux fidèles fuiser les canons, signore. Allez. Boum. 2 par 2 à chaque fois. Allez. Va falloir être bon là. Ok, pour l'instant ça va. C'est pas trop mal là. Ok. On tourne. Allez. Oui bah écoute, on fait ce qu'on peut Jean-Michel hein. Allez. C'est déjà enfui. Là c'est pas mal, pour l'instant j'ai raté aucun tir. Je peux pas faire mieux que ça. Si là ça marche toujours pas. J'ai eu le temps de tirer. Non j'ai tiré là. Je crois que c'est pas mal là. Ok. D'habitude là il me restait moins je crois. Je pense que je suis pas mal là. Mais d'où il y a encore les boulets qui tirent à gauche putain. 45. Allez, cassez-vous les villageois putain. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Non que par deux. La plus grande partie des habitants est de l'autre côté des murs. Non, on est pas mal là. 15, 10, 5. Bouillard. Vous les avez sauvés. Attendez. Des soldats escaladent les murs. Fidèle, oubliez les canons. Il faut les arrêter. Bah oui. Allez-y. Je prendrai votre place. Chargez. Putain de monte charge de merde. Salut les gars. Oh. Oh le headshot. Cet execute dans le coup. Oh. Ah et le bruit aussi, tout était bien. Oh il est gros lui. Attends. Un coup de pied? Je comprends pas comment je mets un coup de pied. Enfable. Un con, pas appuyer. Bah non, ça marche pas, je comprends pas, attendez. Putain, mais. Ça va m'emmerder leur coup de pied là.
Ah bah là il marche. Oui là j'ai... Après le violon ils sont pas en armure donc pour l'instant je suis méfiant. Les autres aussi je les one-shotais avec une riposte. J'avais call hein, que Mario il mourrait. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. À la tienne. Bisous Mario. Ok. Une fois un kill de fait, tu peux enchaîner les kills en attaquant simplement sur les faits en tout cas. D'accord, j'ai pas trop fait gaffe. Non, j'ai pas fait gaffe, je tapais normalement. Basta. Je peux marcher. Attention! Ils arrivent! Tous avec moi! Repliez-vous vers la villa! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi! Maintenant! Allez-y! Ah putain, le bouton à la con. Abandonne! Tu n'es plus maître de ton destin! Okay. Salut, point Fonda! Pourquoi ça va mieux? Ah, de Resident Evil! Non mais ça va! Je m'en remets, hein! Tuez-le! Essaie si tu l'oses! Tuez-le! Ah, il arrive pas à manier son épée en fait, d'accord. Et il est cool pour l'instant hein. Moi je... écoutez ça m'a pas trop dérangé la quête hein, chiante. Après t'es peut-être nul, juste nul derrière hein. Oh Claudia. Ils vont pas tuer aussi la frangine. Réfugie-toi dans la crypte. Doucement. Ah merde. Ah oui d'accord, c'est pas fini du tout là. Oh putain. Ah mais j'ai plus qu'un point de vie. Pas du tout marché là, attendez. Putain. La roue des armes qui a changé de touche, ça me perturbe grandement. J'ai pas rush dans le tas pour les canons. Tu rigoles, j'étais super précis. Je les ai tous tués par deux. J'ai juste un, c'est tout. Un orage. Je vais les retenir. Non, attends-nous. Nous vous croyons morts, Ezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris. J'y vais. Je dois aider les troupes. Plus vite, Ezio. Ouais. Du moment que t'arrives à t'en convaincre, écoute, hein, c'est le principal. Elle va bien? Je suis là, Ezio. Grazie a Dio. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mère. Et merci beaucoup, Juna, pour le 6ème abonnement. Et la cravate bleue comme tes yeux. Merci beaucoup à toi. Merci, mec. Où est Mario? N'était-il pas censé nous attendre? Les troupes de Borgia ont cerné la ville! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mère à Florence.
Amenez-moi un cheval. Tu ne viens pas avec nous? Mais où iras-tu? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Il avait tout, il avait une villa, il avait de l'argent. Une jolie rouquine, il a tout perdu. Il va même peut-être perdre la vie. Mais j'ai envie de finir. Il y a combien de séquences d'ailleurs dans le jeu, s'il vous plaît? Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Désolée, Desmond, la pomme d'Éden. Ah. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça. Bonne question. Je sais pas, il paraît que t'as fait le jeu récemment. Après, il faudrait que ça demanderait d'avoir de la mémoire, je te conseille. On va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Neuf? Ah ouais, c'est vachement plus court, effectivement. C'est la Villa Auditore? Eh ouais, c'est notre seul planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir précis. L'orthographe aussi, ça sert, hein, tu sais. Oui, bon. C'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que... Donc ça en fait partie, je crois, le violon. Soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Il est vraiment insupportable, Sean. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance? Non mais tu déconnes, ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, venez. Parce qu'ils vont aller dans la crypte, je suppose.